Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Bonjour à toutes et à tous. On va parler de football, tiens, aujourd'hui, pour débuter cette semaine avec un entraîneur qui est très, très heureux. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Bonjour Richard Albert. Oui, bonjour Monsieur Langlois. Vous êtes un entraîneur comblé, je le disais. Vous êtes champion de la Guadeloupe avec le CSM. Il y a eu un petit intermède saint-rosien pendant deux saisons. Ça doit vous faire du bien, ça? Ça fait du bien de retrouver le titre. C'est vrai que ça fait deux saisons que c'était à l'USR. Hein. Ils avaient bien travaillé pour ça. Et nous, après notre triplé 14, 15, 16, bon, on revient à la dernière seconde, c'est vrai, mais on est bien là et heureux d'être là, en tout cas. Ça a été une dernière journée, alors palpitante, à rebondissement. Il y avait des enjeux à tous les niveaux, notamment donc, pour cette place de champion de Régional 1. On avait le Phare de Canal qui était le mieux placé, l'USBM qui était mieux placé que vous. Et vous, vous étiez le CSM, vous aviez tout à gagner. En fait, vous n'aviez rien à perdre et c'est vous qui raflez le gros lot. On n'avait rien à perdre, c'est vrai qu'on était à la troisième place. Au pire, on aurait pu terminer troisième, puisque le quatrième club était l'USR, mais bien loin de nous. Donc c'est vrai que cette journée-là ne pouvait que nous être favorable. Et je crois que nous, on a fait le boulot. Et malheureusement pour l'USBM et le Phare, ils n'ont pas su gérer cette dernière journée. Ces 90 minutes, effectivement, ont été fatales. Donc le CSM a profité. Ça s'est joué sur quoi alors? Sur l'expérience? En tout cas, nous, on a travaillé sur ce match-là. Il fallait, Vous y avez cru tout le temps? On y a cru au moins pour être à la deuxième place, parce que c'était le souhait. Parce qu'on pensait que le Phare, à un certain moment, on s'est dit vraiment jamais. Ils avaient la chance des champions et jamais ils ne rataient les matchs. Il y avait toujours un résultat positif. Mais sur ce coup-là, on s'est dit que c'était la dernière journée et que la gestion psychologique était toute autre chose, parce qu'il fallait absolument gagner pour eux. Et en plus, ils jouaient les équipes qui jouaient leur vie. Mais le coach, il a le devoir d'y croire. Oui. Mais les joueurs, ils y croyaient. Mais en tout cas, pour nous, on y croyait sur notre victoire. Vous leur avez transmis votre volonté. Et je crois qu'on est dans cette logique-là au CSM. À partir du moment où on avait gagné notre match, le boulot était fait. Il fallait attendre à ce qu'il y ait quand même des faux pas de l'autre côté, en tout cas à Basse-Terre et à Capesterre et au Gosier. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, comment vous avez vécu justement ces dernières minutes? Très compliqué. Vous écoutiez? Parce qu'à partir du moment où on a mené, oui, après 6 minutes, vous y croyez? Je me suis rapproché du banc et j'ai dit à mon adjoint Bizazen, ça y est, on est premier. J'espère qu'on va le rester le plus longtemps possible. Au moins, on aura eu ce plaisir d'avoir été premier à un certain moment. On est repassé deuxième, je crois, avant la mi-temps, parce que l'USB a marqué. Et quand nous sommes repassés devant, et là, c'est vrai que... Vous étiez informé en temps réel? On était informé en temps réel, on avait les écouteurs sur le banc. Et là, il fallait surtout pas que le Racing égalise, puisque ça se jouait toujours à très peu de choses. Et quand nous, on a fini, ailleurs, c'était pas le cas. Donc, on était là à attendre. Il n'y avait pas de caméra pour voir ce qui se passait. Mais en tout cas, on avait toujours l'oreille fine à entendre ce qui se passait ailleurs. Et puis, ça a duré pendant 4-5 minutes. Et la victoire, enfin, en tout cas, pas la victoire, le titre doit être encore plus beau dans ces conditions-là, non? C'est vrai. On a envie de fêter ça différemment. C'est vrai, puisque finalement, on a tellement fait souffrir les adversaires en gagnant de cette manière-là, qu'on avait l'impression au début que nous, on n'avait pas beaucoup et très bien travaillé, parce qu'on a l'habitude des titres. Mais sur le scénario final, on se dit que finalement, c'est le plus beau titre, puisque toute la Guadeloupe a été renversée, personne ne s'attendait à ce que le CSM soit champion. Et nous, on est là encore, une grande équipe qui se repositionne et qui gagne sa 16e étoile, c'est exceptionnel. Il y a un esprit de revanche chez vous qui vous anime en ce moment? Non, même pas. Par rapport à ce titre, si un peu, on ressent quand même un peu d'amertume par moment. Non, c'est vrai que ce qu'on ne voulait pas, c'est que l'USR puisse battre notre record de faire 3 titres d'affilée. Ouais. On voulait quand même garder... Il y a de la rivalité, c'est une saine rivalité. Saine rivalité, parce que ce sont des amis. Les entraîneurs, on se connaît, les joueurs, ils se connaissent. Donc, on voulait absolument au moins revenir et pour empêcher à l'USR de faire 3 titres d'affilée. Ce n'était pas nous, c'était peut-être le Phare, mais le fait que ce soit nous-mêmes qui reprenons ce titre-là après l'avoir perdu en 2016, c'est un plaisir exceptionnel. Ouais. Pour le Phare, en revanche, c'est la soupe à la grimace, on peut le dire. Battu à la dernière minute pour ce titre de champion et battu en coupe également. C'est vrai que nous sommes dans l'euphorie parce qu'on est vainqueur en championnat, mais j'imagine que pour eux, c'est très, très compliqué. Mais la manière dont ils ont perdu le titre de champion de la Guadeloupe, je crois que ça a laissé quand même des traces sur le plan psychologique et que le coach a très certainement fait ce qu'il fallait, mais peut-être pas suffisamment, parce qu'il faut remonter cette déception et c'est pas évident. Une déception en amène une autre, ça dépend, et puis le délai était très court entre le mercredi et le samedi, il fallait trouver les mots, il fallait trouver de l'énergie, il fallait trouver de la ressource psychologique pour pouvoir remonter ça, et l'étoile tranquillement attendait. Ouais. Et je savais que ça allait être compliqué, que les trois étaient quand même favoris sur ce match-là.
Alors, champion de la Guadeloupe, c'est bien, mais c'est pour quoi faire, hein? Ben, champion de la Guadeloupe, c'est déjà pour rendre heureux le peuple moulien. C'est très important. C'est ça l'objectif? C'est d'abord pour rendre heureux le peuple moulien, parce que nous sommes contents, nous sommes heureux. Et après, bien sûr, c'est représenter la Guadeloupe. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est ça le plus difficile, parce que tout le monde revient là-dessus. Oui, mais c'est bien de gagner, mais après c'est qu'il faut construire une équipe capable d'aller jouer dans la Caraïbe. On a l'exemple du club franciscain qui est encore qualifié pour jouer. C'est un exemple aujourd'hui, donc, le club franciscain. C'est un exemple, c'est clair. Mais on doit s'en inspirer. On doit s'en inspirer, mais je n'oublie pas qu'il y a 2 ans, on a battu le club franciscain en Martinique. Donc ça veut dire que nous aussi, on a des valeurs, nous aussi, on a des ressources humaines sur le terrain, en dehors du terrain, pour travailler et franchir des paliers. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'on n'a pas encore cette culture-là, de, peut-être pas de la gagne, mais d'être capable de monter une équipe avec des joueurs capables d'aller à un autre niveau. Parce que le recrutement chez moi, c'est à 15 km de Rayon. Ça veut dire que vous n'avez pas cherché très loin. Le club franciscain en Martinique, c'est notre politique où ils prennent vraiment les meilleurs du département. Ils montrent et vraiment. Et vous ne voulez pas en venir à cette c'est vraiment on veut c'est pas arriver. Ça que vous voulez faire. Non, pas trop au départ, puisque c'est pas la politique du club. Je ne décide pas de la politique du club. Il faut avoir des partenaires, il faut avoir des moyens, et il faut que ça soit une politique transparente. J'ai reçu sur cette antenne l'un des dirigeants de l'USR il y a quelque temps. On a parlé de professionnalisation, notamment au niveau du staff, puisqu'il va y avoir une réglementation bien précise avec la Coupe des Nations, c'est la Coupe des clubs champions. Et ça, vous allez devoir aussi. Alors, on va devoir. Vous en avez discuté avec eux ? Oui, bien sûr, avec le club. Mon président est quand même l'un des vice-présidents de la Ligue, donc il est parfaitement au courant. Pour que la Guadeloupe puisse s'ouvrir à la Caraïbe, s'ouvrir à la CONCACAF. Mais ça vous intéresse ? Il y a des exigences, nous sommes obligés, ça. Bien sûr que ça m'intéresse, parce que c'est le haut niveau. Mais il ne faut quand même pas non plus se mettre les doigts dans les yeux et se dire « oui, ça va être facile ». Non, pas du tout. Il faut qu'on soit face à la réalité et savoir que ça va être très compliqué à mettre en place. Mmh. Nous avons des habitudes à bannir, nous devons professionnaliser, mais il faut surtout les moyens, les hommes, des moyens financiers. Moi, je vais poser une question toute simple. Pourquoi on professionnalise juste les staffs ? On ne peut pas professionnaliser les joueurs aujourd'hui ? Mais c'est compris dedans. Les joueurs vont avoir des contrats. Alors, ça existe en France au niveau fédéral. Contrat fédéral, ça veut dire que ça ne va pas aller chercher très très loin. Ce ne sont pas des professionnels de très haut niveau. Mais c'est les responsabilités, les responsabiliser, surtout avoir un contrat, mais à double sens. Il va avoir des obligations, il va avoir des exigences et il va avoir aussi des éléments à respecter au niveau des joueurs, au niveau du staff. Mais professionnaliser sur le plan local, ne croyez pas qu'on va franchir des paliers comme ça. Ça demanderait un certain temps. Mais ça demandera surtout de la patience et aussi de l'organisation. Et nous sommes prêts au CSM, et le président en a parlé récemment, à se mettre dans cette orientation. Mais c'est une politique globale. Ce n'est pas en claquant les doigts qu'on va penser que oui, là pour l'instant c'est au niveau de la réflexion. Oui, on le voit notamment au niveau du trophée mutuel Margaillard, on a du mal à le gagner en Guadeloupe. Alors imaginez gagner dans la Caraïbe, c'est totalement impensable. Non, mais vous savez, tant que l'on a la vie, on a l'espoir de faire les choses, mais il faut mettre en place et il faut croire. C'est comme pour gagner le match, mais il faut croire avec les moyens qu'il faut. Il faut les trouver, les moyens. Mais moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Je suis sûr, avec cette nouvelle ligue, ce nouveau comité à la ligue qui vient de prendre place avec M. Dantron, les choses vont se mettre en place, mais il faut qu'on soit tous dans cette dynamique-là. Je suis moi-même président de l'Amicale des éducateurs. Il faut que les éducateurs se forment, se recyclent. Il faut que ça soit quelque chose qui rentre dans la mentalité des gens, mais la mentalité aussi du public. Ouais, doit-on resserrer des sponsors ? Parce que les sponsors, pour l'instant, tant mieux, on en trouve quelques-uns qui accompagnent les clubs, les collectivités. C'est global et c'est dans la mentalité du Guadeloupéen. Et j'en viens justement à cette question. Doit-on resserrer l'élite, puisque des sponsors, on ne les trouve pas comme ça à chaque coin de rue. Donc si on avait une élite à 8-10 clubs, ça ne serait pas plus simple ? Ce serait peut-être plus simple. Mais comme je vous dis, ça dépend de la politique de la Ligue. Mais chacun, effectivement, dans chaque ville, on a énormément de clubs. Il faudrait au moins qu'il y ait un club élite par ville. Et que vous allez faire ça au Moule ? Au Moule, ça existe déjà un peu, c'est l'état d'esprit. Ouais. Savoir qu'au Moule, nous avons une convention entre tous les clubs, même anonymes qui viennent gagner, les deux clubs féminines. Nous avons cet état d'esprit-là au Moule, que le CSM reste quand même le club phare. Avec tout le respect qui existe pour les autres, mais les meilleurs, naturellement, qui veulent jouer à un très haut niveau, viennent vers le CSM. Ça arrive même qu'il y ait des échanges de joueurs, où les joueurs peut-être qui jouent le moins souvent chez nous vont à la Dynamo, ou à la SM, ou à la SNNUFAR. Mais ça doit être une politique qui se généralise au niveau des communes. Il y a des rivalités, pour moi, qui sont malvenues. Et c'est vrai, comme vous dites, avoir des clubs élites avec les meilleurs, ce serait quand même faire monter le niveau et pouvoir effectivement jouer au niveau de la CONCACAF et gagner la Mutuelle Margaillard, comme le CSM a déjà su le faire. N'oubliez pas, 2 fois quand même. Vous avez réussi
Un mot d'arbitrage, on en a pas mal parlé cette année. Bon, l'arbitrage, c'est pas qu'en Guadeloupe, c'est partout. Même quand il y a la vidéo, vous voyez comment ça suscite des intérêts aussi, des interrogations par rapport aux décisions prises. Mais là, je sais qu'au niveau de la Ligue, il y a des commissions qui existent, il y a un travail en cours, il y a des jeunes arbitres, il y a beaucoup de jeunes arbitres au niveau de la Guadeloupe qui sont en train de s'initier, qui sont sur les terrains. Là aussi, il faut les encourager, mais c'est un corps qui fait partie de cette cellule football. Les arbitres, les éducateurs, les dirigeants, les sponsors, les supporters, la presse aussi a son rôle à jouer. On ne le rappelait pas bien. Et non, je ne porterai pas de jugement. Je pense que vous êtes présent, la presse est présente, mais il faudra faire encore un petit peu plus. Il faut que le football soit vu, soit reconnu. Et quand la presse reconnaît, le public reconnaît, il n'y a pas de problème. Les ambitions pour l'année prochaine ? Le titre encore, Mutuel Margaïa, vous allez la gagner, vous avez, oui, mais en général, pour la troisième fois, c'est ça? Et vous serez champion de la Caraïbe? Non, le champion des petits clubs, ça c'est le club franciscain nous a donné l'exemple. Mais pour être champion des petits clubs de la Caraïbe, il faut une équipe forte. Ouais. Et je ne peux pas garantir qu'aujourd'hui le CSM va pouvoir recruter pour avoir une équipe forte. Ce n'est pas encore dans notre état d'esprit où il va falloir… Donc tout sur la formation donc on est à la formation, on a des joueurs… qui arrive au club, parce que comme je dis, on ne va pas rester se suffire à nous-mêmes, ça n'existe pas, on est dans un monde de mondialisation où c'est surtout pas au football qu'on se dira qu'on va jouer avec quel joueur du CSM, ça n'existe pas, ça ne peut pas se faire. Mais partir sur l'idée on va prendre les meilleurs de Guadeloupe, ce n'est pas encore dans notre état d'esprit, et il faut les moyens pour faire ça. Il faut que ça soit quand même une politique acceptée par tous, comme ça se fait en Martinique, et la preuve, ça se passe bien avec le club franciscain, avec le Golden Lion qui a eu cette politique. Mais nous, ce n'est pas encore dans la mentalité guadeloupéenne. Il faudrait que ça arrive. Et je suis sûr que si ça arrive, on pourra avoir deux ou trois clubs phares qui vont même recruter vers la métropole ou ailleurs, dans la Caraïbe. À Sainte-Rose, ils ont des Haïtiens, ils ont venu des Brésiliens, pourquoi pas? Dans le seul but. On a eu des Argentins également. Des Argentins, à Bananier, je crois qu'il y en a à l'Est-Gosier. Maintenant, pourquoi pas? À partir du moment où ça va développer le football et tout le monde va en bénéficier, tout le monde va en profiter, oui, je suis. Vous allez regarder la Coupe du Monde, vous allez bien nous trouver des petits joueurs à ramener. Oui, bien d'être champion le jour d'une année de la Coupe du Monde. Nous sommes. Un favori, justement? Favori, je crois qu'il y a le Brésil, il y a la France, avec nos petits Français, les petits Guadeloupéens aussi qui sont dans l'équipe. L'Espagne, il faut toujours faire attention, et l'Allemagne. Je crois que c'est sur ces quatre-là, je ne peux pas dire laquelle. Si on a des demi-finales comme ça, ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Merci Richard Albert. C'est moi qui vous remercie. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, et à très bientôt pour un nouveau numéro de Questions sans détour.